Voilà, cette petite vidéo, c'est pour montrer ce qu'il faut faire comme entretien, même s'il n'y en a quasiment pas sur une électrique. Donc, l'entretien du joint, ici, à faire une fois avant l'hiver, à l'automne, avec du silicone, une bombe de silicone. Je vous mettrai le modèle que j'utilise après la vidéo, à la fin de la vidéo. Alors ici, vous avez une petite trappe. Et donc cette petite trappe, il faut graisser la charnière qui se trouve ici. Ça, c'est impératif. Vous voyez ici, ici et ici. Il y a un petit axe métallique qui traverse et maintient ce cache là. Ça, il faut absolument que ce soit graissé avec une bombe. Moi, j'utilise du PTFE, une bombe au téflon. Donc, c'est une bombe, on appuie dessus, ça part quoi. Donc, deux fois par an, j'en mets deux fois par an, une fois à l'automne, une fois au printemps. Et ça évite que cette trappe là, elle fasse cruic-cruic, parce que ça grince, ça veut dire que ça commence à gripper. Et si la charnière ici, elle pète, si elle casse, alors pour changer ça, c'est la croix et la bannière. Il faut démonter tout l'ensemble, ça coûte une fortune. Au pire, on peut remettre un cache, le cache qui va sur la BMW i3. C'est un cache sans maintien et c'est la même forme, type 2. Voilà. Il y a aussi autre chose à graisser avec le PTFE. Ce petit bitonio qui sort là, cette petite tige, c'est elle qui maintient la fermeture de la trappe Renault. C'est actionné par un petit moteur électrique qui se trouve derrière, à l'intérieur. Alors, et ça, faut mettre un petit coup aussi de PTFE, parce que ça rentre, ça ressort, ça couille dans du plastique. Plastique sur plastique, il y a un moment que, avec les saletés, ça va pas bien. Donc, l'entretien sur la Zoé, bah, ça consiste à ça.